Alors, on se retrouve sur la chaîne pour la suite du Let's Play consacré à God of War Ragnarok. Alors, venez d'éliminer Heimdall, ici, qui gît là, le cadavre dégueulasse. Alors, on va pouvoir avancer. J'ai mis tarif. Bon, il n'était pas très très compliqué, hein. Et on doit toujours aller libérer Freyr. Le sauvetage se passe bien. Allez, garçon. Elle change. Quand tu meurs, ça aide. C'est fini ou il y en a d'autres? Oh, qu'est-ce que c'est? La porte est tombée. Peux-tu marcher? Pas sûr. Je vais essayer. Non, ne bouge pas. Nous trouverons une solution. Non. Voilà. Je vais le porter. Pardon? Je peux très bien. Tu ne peux pas. Au, au, au. Doucement. Avec moi. En avant. On a de la visite derrière. Oula. Oh non. Marchez droit devant. Oh. Sérieusement? Oui, il rigole pas, 14 ans. Non! Approche-toi! Allez,
y est bientôt, non? Sur ta droite! Continuez! Nous sommes presque à l'arrivée! J'ai envie de vomir. Où est le bateau? Lance-le dans la rivière. Dépêchons-nous. Ça ne les arrêtera pas longtemps. Oh. Mais oui, Skiz Blasny, le bateau de Freyr. Ils vont se rassembler. Allons-y. Bon, dépêche-toi un peu, non? Qu'est-ce que t'attends? Vous auriez dû voir vos têtes. Du calme. Ils volent. On vole. Je savais qu'ils voleraient. C'est beau, hein? Oula! On a ta compagnie! Il y en a un autre! C'était trop beau pour être vrai. Des wivres? Quelqu'un peut m'aider? Ils vont trop vite! Attention! J'arrive pas à les viser! Derrière toi! Qu'est-ce qu'il a, lui? Taillarfi. Taillarfrendur. Birgir? D'ailleurs, si advrutin salma. Evenai l'aldrin, noia. No more. Umdodan eva. Birgir! No! Uvana! Oh, punaise. Ce mec s'est sacrifié. C'est con, c'était le plus costaud du groupe. C'est une montagne, le mec. Oh. Bon sang, Birgir. Oh, allez. Tu penses vraiment que ça en est fini de Birgir? Tu penses qu'il a pu survivre à ça? Il est quelque part à se curer les ongles avec les plumes de la bête. Je le sais. Il a survécu. Nous y sommes presque, Yngvi. Tu dois tenir encore un peu. C'est pas comme si j'avais d'autre choix pour le moment.
De retour au camp. Oh là là. Qui est mauviette. Lunda. Lunda, il nous faut du linge et de l'eau chaude. Une racine rouge et de la cardamine. Je sais, tu crois que c'est la première plaie que je referme? Oh, mais t'as pas de soucis à te faire, hein. J'ai pas touché à tes affaires pendant que t'étais dans tes galères. Hein. Oh, bon sang, Lunda. Doucement. Pourquoi tu t'en prends à moi? C'est pas moi qui t'ai embroché comme un cochon. Excuse-moi. Freya, tu veux bien l'aider? Ou même venir prendre le relais? Reste tranquille. Elle va te stabiliser pour que je puisse t'emmener chez Sindri. C'est là que sont toutes mes herbes. Nous restons ici pour protéger le royaume. Tous les quatre. Vanaheim compte sur vous. Cap sur la maison de Sindri, où qu'elle se trouve. Ton bateau. Non. Je t'en fais cadeau. C'est bon, garde-le. Oh, il s'aime pas, hein. Prends le soleil à son bord. Ça te fera pas de mal. Sois digne d'un dieu Van. Oh. Il te donne son bateau? Génial. Il ne m'a pas laissé le choix. Parce que c'était nécessaire, pas parce que c'était écrit. La prophétie dit que le Galarorn sonnera le Ragnarok. Quoi que cela implique. J'ai fait des recherches dans la bibliothèque d'Odin. A priori, il... Non, Atreus, nous parlerons en privé. Qu'est-ce que ça veut dire? Elka a flairé quelque chose. C'est peut-être important. On ferait mieux de la suivre. Des traces. Celle d'Elka. Alors, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? On va déjà faire ça là-bas. Tout de suite, si. Regarde! Des traces! Celle de notre chienne à l'odorat développé, et nous sommes sur la bonne voie. C'est pas loin. Hé, hey, ma grande, on est là. On ferait mieux de la suivre. Et 70 mètres, d'un coup, j'arrive 100 mètres et quelques. Pas de logique. D'autres empreintes. Sacrée pisteuse, cette petite baveuse. Ok. Elka a laissé d'autres traces. J'ose le dire, elle me semble aussi bonne pisteuse que toi. Elle me surpasse. Mes yeux peuvent me tromper, pas son museau. Est-ce que tu aimerais pouvoir te changer en animal de temps en temps? Non. Et elle reprend. Passer par cette corniche, mais on ne peut pas la suivre à cette heure de la nuit. T'inquiète. Allez, petit coup de plumeau. Allez, fais-moi vibrer tout ça. Ouais, ben j'ai hâte, parce que franchement, courir après le cochon, ça ira. Hein. Ça dirige tout seul, ça, je pense. Comment
Birgir aurait-il survécu à une telle chute? Par magie, peut-être. On lui posera la question quand on l'aura sorti de cette situation. Nous devrions pouvoir repérer Birgir de là-haut. Pourquoi tout le monde avait l'air d'avoir peur de cet endroit? À ce propos... Dragon! Dragon? Oula! Atreus! Je vais bien! Et toi? Oh, il avait l'air en colère. Pourquoi, à ton avis? Nous sommes dans la bonne direction. Je me demande où on est. Cela semble être les ruines d'une ancienne colonie Van Prosper. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je n'en sais rien. Raison de plus pour quitter ces lieux. Ah, nouvel accès, ok, nickel. Ah, il y a une tonnerre là-bas, toi. Ce signal, Birgir est en vie. Si ce dragon continue, plus pour longtemps. Il vivra. Vous voyez ce que je vois? C'est un éclair. Mais... il est... gelé. Comme lors de mon combat avec Thor. Mais pourquoi y en aurait-il un similaire à Vanheim? Ok. T'as de nouvelles zones. Je ne crois pas. Les vannes vivaient ici. C'est quel cratère? Ce n'était pas un cratère quand ils vivaient là. Il s'est passé quelque chose. Mais quoi? Une explosion? Tu es vraiment puissante. Aucun doute possible. C'est le même que l'éclair gelé de Midgard. Pourtant, je ne suis pas venu ici. Étrange. Ce cadavre est différent. Les dragons ne laissent pas ce genre de marques. On a déjà vu ces marques dans les mines de Volunder. Tu te souviens? Il doit y avoir un mangeur d'âmes ici. J'entends les animaux. Ils ont peur. Oui, ouvrons l'œil à la recherche de cadavres. Les mangeurs d'âmes aiment se cacher au... Bon. On ne pourra pas passer par là tant que le soleil brillera. Oh putain, il y a encore un truc avec le soleil, le machin, le cil-là. Ouais, donc là du coup on voit qu'il y a pas mal de choses là-bas, mais qu'on ne peut pas... y aller pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, nouvelle marque. Encore un cadavre. Nous sommes donc sur la bonne voie. On se rapproche. Au début, le dernier qu'on a rencontré ressemblait à un tas de cailloux. Non. Je vois un hôtel là-haut. Pas par là. On va agir sur le temps. Non mais dis. Ok. Là, pareil, il n'y a pas accès. C'est beaucoup de zones un peu fermées là, non? Du ça, je dis rien, mais. Là, pareil, pas accès. Ah. Un. Et deux. Quoi? Je rencontre une personne qui me plaît. Comment savoir si elle... enfin, si je lui plais aussi. Est-ce qu'il y a... quelqu'un? Je... non. Un peu curiosité. En fait... c'est sans importance. Non. Sans importance. On a compris que c'est sans importance. Vous allez le dire deux fois, mon ami. Alors... quoi? Du quoi? Fourrier.
Bon, on a compris. Cette bosse a l'air. Qui est curieux? Eh merde! Allez, dépêche-toi! C'est bon, tu vas t'en sortir, Prius, ou... Je dois me rappeler. Le message doit être délivré. Et c'était important. Mon commandant attend mon retour. Ça doit faire longtemps qu'il attend. Dis-nous, quelle est la dernière chose dont tu te souviens? Je voyais rouge. De colère. Contre les As. Et il y avait ces arbres rouges. Je vous en prie. Aidez-moi à recouvrir la mémoire. Alors je pourrai vous parler de ce jour-là. Ok, pas mal de cartes, hein, ça va être cool ça. Peut-être ce qui s'est passé dans cette vallée. Le Léviathan a gelé cet éclair. Vois-tu que ça veut dire que... Mère, t'es là? Ça ne veut rien dire. Nous ignorons si Faye est venue ici. Certes, mais cet éclair gelé raconte une histoire inachevée. Mais ça se sauront pas ça? Si on veut savoir ce qui s'est passé ici, cet esprit doit nous dire ce dont il se souvient. Alors allons-y. Furier Boa. Je sais pas où il est en train de me gonfler. Dis-moi, petit, est-ce que c'est à trop que tu pensais quand tu voulais savoir? Non. Enfin, pour les personnes en particulier. Donc là, il faut y accéder par derrière. Skulder aime bien trop. Mais tout ce qui compte pour elle, c'est de devenir une Valkyrie. Elle ne pense qu'à ça. Tout à fait, petit. Tout à fait. Sache en tout cas que si tu as besoin de revenir sur ce dont on a discuté... Je sais. Ça va. C'est bon. Ok. Génial. On peut déplacer le soleil et la lune. Ah, cool. Qu'est-ce qu'il te faut? Ok. Un besoin spécial? Ah, ici, celle-là. Ça devrait garder ton corps en un seul morceau. Cool. La vache, je suis beau ou pas? C'est très bien. Un message passé, ça. Bon.
Ah, elles sont pas données quand même. 13 000, 10... Celle que j'ai, ça, 13 000 et quelques. Eh ben, quand tu veux. Un truc à dire avant de décamper? Pas grand chose pour l'instant. Alors, pour l'instant on est bon. Lingos gardien, pas mal. Ah, il y a une merdasse à la batte. Soyez vigilants. Oui, certains rochers ne sont pas comme les autres. Mais non, qu'est-ce que tu veux? Oula, oula. Ah ben voilà. Ben c'est bien ça. C'est original. Peut-être la vie pourra-t-elle à nouveau prospérer. Anvari serait content de savoir qu'on en a tué un autre. Anvari, le nain qui a transféré son âme dans un anneau. Lui-même, il a créé les mangeurs d'âmes. Qu'est-il advenu de ce maudit Lascar? Les prétestes. Ça a l'air pas mal, ça. À chaque élimination par attaque runique. Ah, mais là, j'ai 3. Ah, bien là, toi. Encore un de ces mystérieux cristaux. C'est quoi ce truc là-bas, bleu là? Non plus. J'aimerais qu'il ressemble au dragon de Midgard. C'était gentil. C'était surtout des nains sensibles qui avaient été transformés en dragons. N'empêche. Ah.
On se rapproche du dragon là, non? On l'a coincé! Tire en feu, froid! Kratos, arrête-toi, Rejean. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut le placarder ou quoi? Oh merde! Voilà. Bon, rien d'extraordinaire. Ah, tu l'as eu! Mon bon Kratos, quel excellent travail tu viens d'accomplir! Je n'ai pas besoin que tu m'encourages. Oh non, je t'ai offensé. Oh non! Ah, flamme de glace, cool! Parfait! Parfaitement parfait! Comme la pub. Ah, griffe de dragon plus 2, pas mal! Putain, si juste en tuant un dragon, tu récupères de griffes, c'est maigre, hein. Père, on pourrait fabriquer une lyre. L'instrument. Pourquoi faire? Pourquoi? On chasse, on s'entraîne. Ce sont les deux seules distractions que tu t'autorises. Ce ne sont pas des distractions. Oh, bien sûr que non. J'aimerais juste savoir jouer de la musique. Tu pourrais m'apprendre et... Non, c'est stupide. Qu'est-ce qu'il a lui? D'un coup, il veut devenir un artiste, con. Mec, il veut devenir un artiste, quoi, genre. Oh, mon ami! Merci beaucoup. Non, merci à toi. Tu nous as sauvés sur le bateau. Pas vrai, père? C'était stupide. Et appréciable. Il y a un accès mystique non loin. Mais je n'ai pas la pierre adéquate. Nous aussi. Je n'arrive pas à croire que tu aies survécu à la chute. Comment tu as fait? J'ai roulé. À bientôt. Oh! Le balèze, le chef a besoin que tu persuades ce cerf de regagner l'arbre monde. C'est le chef qui a besoin de toi, compris? Pas moi! Moi ça va, j'ai l'estomac rempli de fourrage. La belle vie, quoi. Enfin bref, va le voir dans le monde entre les royaumes quand t'auras un moment. Quoi?
À chaque saison, son cerf. D'accord. Je n'ai pas besoin de ça. Nous reverrons peut-être au camp. Et dans d'autres circonstances, de préférence. Allez, nouvelle quête terminée. Bon, Birger étant sauvé, on peut partir d'ici. Ou continuer à explorer, si tu préfères. Bah ouais, pourquoi ? Ouais, bon. Pas mieux. Ah, un autre cristal. Gardons-le de côté, le temps de savoir ce que l'on peut en faire. L'arme. Allez, nickel. Alors, là, on est revenu au début. Père, j'ai une question à propos de tes lames. Celles qui viennent de ton pays. Qu'y a-t-il ? Pourquoi tu t'en es jamais débarrassé ? Je vois bien. Cela peut attendre. L'heure est au combat. C'est tout ? Nul ? Quel dommage. Une rivière coulait ici autrefois, donnant vie à une faune et une flore très diverses. Qu'est devenue cette rivière ? Odin y est pour quelque chose, n'est-ce pas ? Oui, il l'a barré. Pourquoi s'épuiser à combattre l'ennemi quand on peut le priver de sa source d'eau ? C'est pour la sécheresse, maintenant des dragons. C'est bon. Ah, merci. Je savais que si je passais par là, ça allait exploser cette daube là. Permets-moi ça, je peux faire la limite utilisée avec ça. Imposante est passée par là. Attention. Ah, si c'est le dragon, il n'y est plus, hein. As-tu déjà écrit un poème, mon frère ? Non. Oui, c'était une question idiote. Ah, poème de Kvasir. Kvasir. L'épée dans la pierre, le fourreau dans l'os, des bâtons qui crachent le feu, la colère du loup de sang, chevalier sans armure, combat surnaturel, l'espoir s'évanouit, soyez prêts à l'aube. Ça fait 100 ans que j'avais plus trouvé de poèmes de machin. C'est vrai, hein ? Je me disais, il y avait un truc là. Oh, qu'est-ce que c'est ce truc ? La chose qui a fait ses empreintes, elle a couché ses arbres comme des roseaux. Sois prudent. Je suis toujours prudent. Ah ! Oh, misère, tu es sérieux ? Un ogre ! On ne passera pas tant que cette bestiole cherchera à nous assommer. Alors nous devons nous approcher. Attention ! Par où passer, quand ? Impossible de blesser ce monstre.
Quelque chose a dû lui lancer un sort. Ah oh, purée, c'est des trucs à la noix, ça, encore. Passer par là-bas. Un passe. Et maintenant. Alors, est-ce que j'aurais pas raté un truc à droite ou à gauche? Nickel, donc là de toute façon on ne pouvait pas passer. Ouch. Merci. Allez, dégage, m'a gonflé. Là, ils ont fermé les vannes. C'était une blague. Tu en es sûr? Moi, je trouvais ça drôle. Allons voir cela de plus près, d'accord? Odie Odin, nous pourrions atteindre l'autre côté de ce canyon si l'eau coulait encore au milieu. Dites, si on ouvrait le barrage, est-ce que la rivière reviendrait ? Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Eh ben, ça reste plus cette zone, hein ? Certes, on va pas s'en plaindre, hein. Je préfère qu'il y ait du contenu que pas du tout, mais... J'imagine qu'on peut pas passer par là. Mon imagination était la bonne. Ok, donc avant d'aller par là, on va juste vérifier ce qu'il y a par ici. À savoir. Encore un de ces hôtels de jour et nuit. Je suppose qu'on va devoir l'utiliser. Pensez à ces créatures mourant de soif. C'est. Ça me met en colère. Exploite-la. Mais ne te laisse pas déborder. Et c'est ça. Ah, viens là, toi. Encore un mystérieux cristal. Oh. Que faisaient ces séismes ici? Certains vannes se sont tournés vers la magie noire pour se protéger des as.
non sans conséquence. Où est la porte? Quoi? Comment on fait pour entrer? Il faut se calmer là quand même, hein. Ah, les gars, mec, tu arrives à passer à travers le mur, quoi. Qu'y a-t-il décrit? Ah, One Life. Tu dis, il s'arrête jamais cet endroit. Alors, encore des bébêtes. Wow, un Drekki. Il mangera tout ce qu'il trouvera sur son passage. Traquons-le. Ah, faut arrêter. J'ai des captures à niveau. C'est la neuvième qui soigne ces créatures. Ah oui. Elle est où, elle? À droite, mon frère. Ok. Je ne crois pas qu'on puisse traverser. Pas non. Encore, du moins. Moi non plus. Par là. J'ai une histoire. Ah non, mais arrêtez. Arrêtez avec vos histoires et tout. C'est une histoire de bataille. Celle d'une femme aux cheveux clairs affrontant le plus puissant de tous les dieux. Et quelle femme? Développe. L'esprit, là? Les détails m'échappent. Je tenais ma chope d'hydromel et j'étais impatient. À tenter d'apprendre Thor ou quoi? À l'idée de me réconcilier avec un vieil ami. Mais une terrible chose s'est produite. Je crains que cette terrible chose ne fût ton trépas, mon ami. Je sais que ce n'est pas tout. Trois bassins, je les voyais, tous les trois, s'il vous plaît. Et... Ok, victime de guerre, la chope. Je crois qu'il sait quelque chose à propos de mer. Ou pas. Garde espoir, mon frère. Ses réponses ne sont peut-être plus très loin. Voici. On dirait que le mécanisme est bloqué, mon frère. D'accord. Alors. Ah, il reste un blocage par là-haut. D'accord, ok. Je suis ravi pour toi. Ah, okay. Alors. Oh, c'est cool. Peut-être qu'on peut accéder à d'autres lieux. Alors déjà, par ici. Là. Comme ça. Alors, déjà on va pouvoir accéder certes à d'autres lieux, mais...
Je vais accéder à celui-là, moi. Les Dreki se nourrissent ici. Tenons-nous prêts. On n'aura pas le temps de tergiverser quand le combat sera lancé. D'accord, donc là, il va falloir que j'élimine le Dreki. C'est l'épisode des dragons, un peu. Tu as vu, tu affrontes tous les Dreki. J'avais plus de vie déjà, non mais ça rien, je me soignais pas là. J'avais pas de vie mec. Non mais je te dis, c'est l'épisode des dragons cet épisode. Tiens, deux Dreki, le dragon, les Wivres. Mais mec, tout s'apparente à la famille des dragons. Je veux dire, c'est l'épisode... L'épisode de dragon quoi. Ouch. Allez, cadeau. Ah merde! Ah, il était mort l'autre! Putain, j'avais défoncé, ah, j'ai fait n'importe quoi, j'aurais dû envoyer la rage. Allez go, ranime-moi et là on va le défoncer. Allez, dégage. Allez, après... Voilà. Le barrage ouvert, le terrible Dreki mort... Cette jungle me semble en bonne voie pour retrouver sa splendeur passée.
t'ai dit, Dents de Dragon et compagnie, tout ça, je t'ai dit, c'est l'épisode pro-dragon, mec. Il est pas sans violent. Hein. Est-ce que par curiosité, il y aurait un corbeau d'Odin à quelque part, juste par curiosité comme ça? Non? Bon, je pense qu'on a tout récupéré, de toute façon, on peut rien faire ici. Comment avez-vous réussi à tuer Garm finalement? On l'a tué plusieurs fois en fait, mais ça ne marchait pas. Alors j'ai pensé que le mieux pour se débarrasser d'une bête sans âme était de lui en donner une. Je te demande pardon. Henry, je me souviens de la lueur que j'ai vu perdre. La magie que j'ai utilisée sans savoir sa mort. C'était l'âme de Fenrir qui entrait dans mon couteau. Lorsque je l'ai compris, je l'ai simplement inséré Fenrir dans le garde. Très malin, petit. L'âme d'un regarde, fidèle... Regarde, par ici. L'eau s'écoule. Tu as fait s'écouler l'eau. Pour accéder à d'autres endroits du cratère. Oui, mais comme l'eau est de retour, les plantes et les animaux vont aussi revenir. Nous avons guéri cet endroit. Ce n'était pas mon intention. Par tous les dieux, mon frère, fais un effort. L'eau coulant librement, de nouvelles voies s'ouvrent à nous. Si nous faisions une balade. Une recherche, pas de balade. Oh, arrête. Une balade, il y a surtout. Ne peut-on pas apprécier la nature pour ce qu'elle est, au lieu de chercher des trésors? J'aime bien les trésors, moi. Vous êtes indécrottable. Une balade, il y a sorti. Oui, oui, une complainte. Une promenade. C'est bien la promenade aussi, c'est pas mal. Notre bonne action semble avoir une impact sur la faune. Je crois que j'ai parlé trop vite. Un peu, ouais. Bon, ben, sur ce, on va s'arrêter là, donc, pour cet épisode. Voilà, donc, ça sera l'épisode Pro-Dragon. Je pense qu'on en a encore un là-bas à défoncer, comme au loin. Il y a le troll aussi à tuer. Il y a un oiseau, j'ai vu, une corbeau d'Odin à récupérer par là-bas, là, au niveau de la structure ou par là, là. Quand il y avait le troll, je l'ai vu au loin, mais bon, comme l'autre, il me lançait les pierres, je me suis dit, le garder pour plus tard. Ben, du coup, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, laissez un petit pouce bleu et on se retrouve donc sur la chaîne pour la suite de God of War. Ciao, ciao!